Bonjour à tous, ici The Jailbreak Bay pour thejailbreakbay.com. Aujourd'hui, je vais vous faire une comparaison de vitesse de démarrage entre l'iPad 1 et l'iPad 2. Donc, je vais vous montrer d'abord que ce sont bien des iPads 1 et 2, donc de première et de deuxième génération. Alors, ici, c'est la première génération, on voit l'épaisseur de l'appareil, pas l'appareil photo, et ici, c'est une version 3G que l'on reconnaît avec la barre noire pour la connexion 3G, donc. Et ici, l'iPad 2 avec son smart cover qui verrouille l'appareil et qui le déverrouille grâce à l'appareil photo, à la finesse de l'appareil et au design tout simplement du nouvel iPad. Donc on va le remettre sur son socle. Voilà. On va éteindre en même temps les deux iPads. Alors on appuie sur le bouton power. Voilà. Alors, je tiens à préciser que les deux iPads ne sont pas jailbreakés, puisque l'iPad 2 n'a toujours pas de jailbreak et l'iPad 1, j'ai la dernière version, la 4.3.3, mais je n'ai pas encore jailbreaké. Alors là, l'iPad 2 met un peu plus de temps à s'éteindre, ce qui n'est pas vraiment normal, puisque habituellement il est beaucoup plus rapide que l'iPad 1. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le démarrage, donc on va allumer les deux en même temps. Voilà. Alors l'iPad 2 a un processeur A5 de Apple. C'est un processeur dual core, donc il devrait être beaucoup plus rapide que l'iPad 1. Voilà, l'iPad 2 a démarré beaucoup plus rapidement, même s'il s'éteint un peu avec un peu plus de lenteur. On va le déverrouiller. Voilà. Et après, c'est au tour de l'iPad 1 qui s'allume. Donc l'iPad 2 est plus rapide. Question démarrage entre l'iPad 1 et l'iPad 2. Donc voilà, c'était The Jailbreak Bay pour vous présenter une comparaison de vitesse de démarrage entre l'iPad 1 et l'iPad 2. Et on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!